Bienvenue à Lupichun, qui se trouve dans le sud de Hong Kong, à Stanley. Stanley est un vrai petit village à la française. Et nous avons réussi à garder cet esprit familial, puisque nous avons des enfants très jeunes de la très petite section, 2 ans, jusqu'à la grande section, 6 ans. Notre programme peut être soit français toute la journée, soit bilingue, à savoir français le matin, anglais l'après-midi, ou bien français le matin et mandarin l'après-midi. L'idée de Nicole, c'est d'apprendre à travers les arts. C'est vrai que je suis plus que convaincue aujourd'hui que l'art plastique permet d'apprendre tout un tas de choses comme ça, sans contraindre l'enfant, sans lui demander de répéter, sans lui... Voilà, tout ça, c'est... Et l'enfant apprend beaucoup et surtout il est libre. Nous avons des tout petits effectifs. En très peu de temps, on connaît très très bien les élèves et on peut très très rapidement travailler avec eux sur les petites choses dont ils ont besoin tout de suite. We do a lot of artistic projects, and I think that what makes Lupichun different. Everything, we try to make them creative and get inspired by themes we're using or things we've seen or heard, and this is how we do it every day in the school. So. We have a real mix of children. Their cultural background is different, and this diversity is actually beautiful, and we use it in every way. So people will have Chinese parents, or will have Eastern European parents. And we will teach them how to learn Chinese. 例如我们唱歌呢，我们会有一些配合一些的动作，让小朋友容易记住这首歌。然后像学中文，我们会有一些图片，然后呢，让小朋友可以深切的记住。